Alors, on va parler aujourd'hui. On a une belle vidéo. Je vais lancer le sujet de ce soir. Donc, on a une vidéo. Alors, je ne sais pas si je peux la mentionner, mais quelqu'un qu'on aime beaucoup deux. Alors, elle s'appelle Jacqueline. Voilà, ça, c'est sûr. Hein, ouais. Ça, je vais le donner. C'est une femme adorable, complotiste à souhait, hein, et qui nous suit tous les soirs, que j'embrasse très fort, qui est productrice donc de documentaires, de films sur des thèmes spécifiques. Et donc, on va se servir de ces images ce soir. C'est ça ? Ouais. Au départ, elle est photographe. Et donc, elle a créé son atelier. Donc, au même endroit, il n'est pas mouvant, hein, son atelier. Oui. Et elle s'est rendue compte que la lumière baissait. Et sur une très, très longue période. Donc, elle s'est inquiétée parce qu'elle s'est dit, moi, mon atelier n'a pas bougé, la lumière zénithale est la même. Et ça a duré 2-3 ans. Et elle a fait bêtement, quoi. Elle a commencé à se demander pourquoi c'était durable. Et donc, c'est ça qui l'a amenée à aller chercher les informations. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans... Bon, le film s'appelle « Vers un climat artificiel ?» Point d'interrogation. Vous pouvez le retrouver, les 71 minutes, vous pouvez le retrouver sur plein de plateformes. Vous n'aurez qu'à le taper. Mais elle, bon, là, on a fait, bien sûr, un condensé. On ne va pas tout aborder, mais vous aurez une petite idée. Il y a des choses qui vont drôlement vous surprendre. Elle a fait ce reportage et de fil en aiguille, elle a repris aussi des choses mainstream. C'est là que c'est marrant. Quand on disait il y a 10 ans que les crime press ça n'existait pas, etc., etc., bah si, ça existait, donc c'était le complotiste de l'époque. Bon, il y a toujours des complotistes de toute manière parce que, comme tu dis, il y a des comploteurs. Et vous allez voir que c'est vraiment encore un truc bien pourri parce que qu'est-ce qu'il y a dans. Quels noms apparaissent ? Un au niveau militaire et un au niveau civil, c'est Georges Soros, alias Moula Gaufre, et à droite... Moula Gaufre. Et à droite, Bill Gates, boule de pu. Donc, les deux apparaissent encore dans cette affaire-là, comme quoi ils sont partout où c'est pourri. Comment on reconnaît la pourriture de l'état profond ? C'est toujours le même système. On vous balance un sujet, voilà, le climat. Après, on vous dit, il se passe des choses et vous êtes peut-être responsable. Ils vous refoutent la responsabilité sur la tronche, alors que les politiques environnementales, d'énergie, c'est eux qui les mènent. Hein. Le moteur à hydrogène existe depuis longtemps. Donc, ils vous refoutent ça sur la tronche. Après, ils vous disent, il va falloir payer. Et vous culpabilisent. Enfin voilà, c'est un peu comme ça qu'ils procèdent. Et après, ils créent un organisme. Donc, on le sait, l'OMS. Mais là, c'est le GIEC, vous allez voir. Et cet organisme, il a valeur sur tout. Il est supranational. Et à chaque fois qu'il y a un organisme supranational, ça pue. Hein. Donc, ils écoutent tous le GIEC. Il y a des rapports de 1500 pages. Mais les chefs d'État lisent 15 pages. Vous imaginez bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et ça a commencé par une opération au Vietnam pour neutraliser un peu les troupes vietnamiennes qui étaient beaucoup plus virulentes qu'ils ne le pensaient. Ils ont voulu faire en sorte que la mousson soit plus longue, en fait. Donc ils ont fait pleuvoir. Et ils se sont rendu compte, en effet, c'est une opération qui s'appelle Popeye, lancée par Kissinger, toujours le même, un poète celui-là. Et ils ont fait pleuvoir et ils ont vu qu'ils pouvaient arriver à certains résultats. Donc vous allez voir. Après le début du reportage, on va aller sur d'autres choses. Et je te dis, Antoine, go, commence. Ok, c'est parti. Alors moi, je vais sortir de l'écran, Christophe. Et je vais juste m'occuper de la régie, entre guillemets. Oui. Je vais couper au bon moment. Et puis, comme avec les timings que tu m'as donné pour les coupures. Et donc, je te laisserai enchaîner. Et je reprendrai quand tu me donneras le go. Ok ? Allez, go. À tout à l'heure, mon frère. Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Journaliste et photographe professionnel, j'ai plusieurs années de repérage du ciel pour mon travail sur l'image. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer du tout.
un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Le concept que la luminosité a diminué de façon extraordinaire, moins 3 diaphs en quelques années. En cherchant sur la toile, je tape obscurcissement planétaire et je comprends rapidement qu'il y a sujet, comme on dit communément. Plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète, avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. Alors, la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consistent à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés, pulvériser des particules dans l'atmosphère pour que ces particules renvoient certains rayonnements solaires. Notre ciel comme lieu et outils d'avancée climatique. Les méthodes de géo-ingénierie sembleraient un moyen incontournable. Seraient-elles partie prenante de notre passé, de notre présent et de nos climats futurs? Il y a bien des militaires et des industries qui font des expériences volontaires sur l'adjonction de composés chimiques au carburant pour créer ces effets albédo, car le carburant normal comporte déjà les molécules qui créent l'effet chemtrail. Ce n'est pas le CO2 qui est le premier élément de l'effet de serre, c'est l'eau, c'est le cycle de l'eau. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Je constate très vite que des milliardaires, des militaires et des scientifiques, ou des politiques, s'allient pour manipuler l'atmosphère. Et la collusion semble totale. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelque 930 millions de dollars. C'est la plus grosse acquisition de Monsanto. Puis, le 24 novembre 2013, Monsanto sort un nouveau gène résistant à l'aluminium. Le 22 décembre 2013, Monsanto investit dans les prévisions météorologiques. Et le 2 janvier 2014, Météo France disparaît des chaînes publiques nationales au profit d'une société britannique. Dès ce mois de janvier, les prévisions météo nationales sur les chaînes télé du service public ne seront plus assurées par l'indétrônable Météo France, mais par la filiale française du groupe anglais Météo Group. Et les gouvernements ont des experts, non pas en climatologie, mais en discours politique, qui font les éléments de langage. Les éléments de langage, ça s'appelle le rapport de synthèse destiné aux dirigeants. Ils le font pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Alors, Christophe, tu m'as demandé de m'arrêter là. C'est bon. Alors, voilà, donc bah, ça, c'est la première partie. Donc, je pense que vous avez tous appris que Météo France ne donnait plus la météo en France. L'organisme existe toujours, mais ça fait quelques années donc, que c'est un organisme dans lequel Bill Gates a des billes, naturellement, qui fait la pluie et le beau temps au niveau de tout l'Occident. Hein, donc, d'ailleurs, les prévisions sont assez précises. Quand vous regardez bien les risques de pluie, forcément, c'est quasiment eux qui font le climat. Hein. Donc, ce n'est plus ce sacro-saint Météo France. On croit toujours que c'est Météo France à la bonne vieille époque. Eh bien non, c'est maintenant, sous le principe soi-disant de la libre concurrence, c'est maintenant un organisme encore tout à fait curieux qui agit en sous-main, et on retrouve toujours les mêmes énergumènes. Donc, il faut Bill Gates, que ce soit à ce niveau-là ou chez Monsanto aussi. Voilà, alors Monsanto, je ne sais pas, alors là, je vais être ultra complotiste. Monsanto, donc ils ont, on va le voir plus tard, ce qu'ils nous balancent essentiellement, c'est de l'aluminium.
il y a 80 fois dans le sol, ce qui est normalement au niveau de l'écorce terrestre. Donc l'aluminium, ça va poser des problèmes sur les cultures sur du moyen et long terme. Et la Monsanto, il crée naturellement la culture qui va résister à ce gel d'aluminium, à ce surplus d'aluminium. Donc, si on extrapole tout ça, on peut avoir une terre où plus rien ne poussera sans Monsanto. Et si vous rajoutez à cela l'OMS qui pourrait bien déclarer une pandémie chez les ovins et les bovins, complotiste, hein, moi j'y vais, hein, on n'a plus de viande non plus, enfin pour ceux qui mangent la viande. Puis ils pourraient mettre les poulets. Donc vous voyez le truc, hein, ils n'hésiteraient pas, hein, donc je pense pas qu'on ait affaire à des gens normaux. Hein. Donc voilà, c'est le début. Je pense que beaucoup ont appris que Météo France ne faisait pas la météo. Et que Monsanto se mêlait de la météo mondiale. Ah, c'est toujours les mêmes. Hein. Toujours. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on va regarder la suite. Alors oui, après, le monsieur qui parle, c'est Patrice Hernu, fils du ministre Charles Hernu, qui est un vrai écologiste de base et qui a naturellement fui l'écologisme à la Jadot, hein, qui sont pantins. C'est un mec qui ne doit même pas savoir quels sont les fruits de saison, hein, à mon avis. Mais bon, lui, c'est un vrai écologiste. Hein. Patrice Hernu, politique, il s'est mis un peu en rupture de banc parce que vous allez voir que ses thèses sont complotistes. Alors moi, je, encore une fois, je sors de l'écran, je te laisserai reprendre directement, donc à 7 minutes 39, j'arrête la vidéo, ouais. Et je te laisse prendre le relais, je ne reviens plus juste à la fin, d'accord ? T'en prie, merci. C'est toi le patron cette fois. Ouais. On découvre un nouveau vocabulaire météorologique, ciel voilé, neige industrielle. En chemin vers un climat artificiel. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale, mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées paragrèles. Voici une fusée paragrèle que mon père envoyait dans des nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie. Dans l'agriculture biologique, bien sûr, nous n'utilisons pas de produits chimiques, mais le problème, c'est que si ces produits chimiques viennent du ciel, il est évident qu'on va retrouver des résidus sur nos produits. Des produits chimiques qui vont contaminer l'homme à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et des aliments que nous ingérons. Des produits chimiques ? Une industrie mondiale qui cultive la terre par l'adjonction dans l'air de molécules non naturelles, je m'informe sur l'acidité du corps et ses conséquences. De très grands cancérologues parlent du pH acide ou basique du corps. J'entends aussi parler d'intoxication aux métaux lourds. Et je me souviens qu'il y a également la diminution de la lumière solaire. Les preuves qui sont apportées aujourd'hui au niveau toxicologique et biologique avec cette fameuse révolution qu'est l'épigénétique qui permet de comprendre comment l'environnement peut modifier l'expression de certains gènes et de créer au sein de l'organisme une inflammation qui explique l'origine des maladies. Le recours à la géo-ingénierie un grave inconvénient, c'est qu'elle entraîne de nouveaux désordres climatiques. Adapter la planète, c'est tout simplement déjà toutes ces techniques de modification artificielle du climat. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. Si nous sommes constamment soumis à une pollution interne du corps par la qualité de l'eau et des aliments, pourquoi ne serions-nous pas soumis de la même façon à une pollution de l'air par les modifications observées dans notre ciel? Serions-nous confrontés à l'acidification de notre pH, à de fortes carences en vitamines, à un manque d'oxygène et un manque de soleil? On observe tous des pics de pollution aux particules fines. L'avion bénéficie même d'un traitement de faveur en étant exonéré de nombreuses taxes sur le kérosène. C'est une des sources de pollution qui connaît la plus forte augmentation. Les émissions de CO2 liés au trafic aérien, échappent aux réglementations internationales sur la lutte contre le changement climatique. Elles n'ont pas été intégrées au protocole de Kyoto
en 1997 et n'ont pas été abordées à la COP21 fin 2015. Ce traitement de faveur injustifié ne donnerait-il pas une légitimité à polluer ? Voilà, donc là on avance dans le processus. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc on sait qu'ils ont changé leur pulvérisation, ont changé le cycle de l'eau. Et on reviendra plus tard là-dessus, on verra que pour le coup, pour réinverser le truc, ça va être compliqué. Donc l'eau est devenue plus acide dans les océans, les mers, dans les rivières et dans notre corps. Et je pense que certains ici savent que l'acidité, c'est propice au cancer, à toutes sortes de maladies. Donc ils ont modifié notre équilibre acido-basique. Puisqu'on est fait quand même à 78% d'eau, je crois 80% d'eau. Donc là, vous allez tous prendre un peu peur, mais il y a des moyens de remettre le pH, de faire un petit reset sur le pH. Je vous donne deux choses. On les mettra sur le site de l'Alliance, hein, parce que vous savez que la c'est un peu mon cœur de métier. Il faut faire des cures, enfin, c'est deux jours de chlorure de magnésium, ou alors, ça c'est encore plus simple, au niveau quand vous prenez un bain, vous mettez 500 g de bicarbonate de soude. Hein, ça va rééquilibrer votre pH. C'est très important, c'est deux trucs tout simples. Chlorure de magnésium à ingérer et les bains donc avec bicarbonate de soude. Et donc, je vous donnerai exactement comment il faut faire sur le site. Et autre chose, ils jouent aussi à... Ils ont d'autres jeux. Hein. Et vous savez qu'après le confinement, ça a senti le soufre. Hein. Tout le monde a senti le soufre, hein, plus ou moins. Et on nous a dit que c'était les égouts de Paris. Bon, sachant que le soufre est propice aux maladies pulmonaires, à provoquer, à sensibiliser les poumons. Comme par hasard, le Covid, il attaquait quoi ? Les poumons. Donc, ça sentait le soufre. Et on nous a dit que c'est les égouts de Paris. Sauf que ça sentait le soufre dans le monde entier, dans tout l'Occident. Donc, je veux bien que Paris soit connu pour ses parfums et, je dirais, l'excellence de ses parfums, mais de là à ce que les égouts de Paris sentent dans le monde entier, vous comprenez bien qu'il y a vraiment dans le narratif, ils sont vraiment prêts à lire n'importe quoi. Donc, voilà, c'est important de savoir ces petites choses-là. Ne paniquez pas. Vous verrez que si les choses se passent bien, on pourra revenir en arrière. Ça mettra 2-3 ans, sinon on pourra revenir en arrière. Top, Antoine, pour la suite, la fin. À cause du trafic, on aura encore moins de luminosité. À cause des produits chimiques, on aura un air toxique, on aura moins de lumière. Si on a moins de lumière, on aura moins de rendement. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. Bon, qu'on ait perdu tout ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais maintenant, comme le blé, on produit des aliments toxiques. Notre climat se modifie de façon surprenante depuis que nous observons ce ciel presque constamment voilé. Nous passons de l'assèchement des sols à des inondations catastrophiques. Je sais que les désordres climatiques sont liés à la variation du CO2 et au cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau va trop vite du ciel à la mer. Si le cycle de l'eau s'accélère en raison de l'accélération des émissions de CO2, delta, eh bien, progressivement, il y a de moins en moins d'eau dans le système intermédiaire. D'où pluies diluviennes et sécheresses qui sont exactement la même chose, alternées. C'est des conséquences opposées, les deux faces opposées d'une même pièce. C'est la même chose. Je dis souvent que cet assèchement, au fond, du milieu naturel dans lequel vit l'homme, correspond à l'assèchement des consciences, d'une certaine façon, symboliquement. Donc nous asséchons l'œuvre de la nature. Nous asséchons l'œuvre de la nature. Et par conséquent, il n'est pas besoin d'avoir des sociétés secrètes, des complots, ou quoi que ce soit, pour que les intérêts de ces lobbies passent dans les grandes conférences onusiennes qui sont censés les combattre. C'est un état structurel. Il n'y a pas complot. Mais en revanche, il y a réellement action. On ne peut que s'interroger sur l'existence des méthodes de modification du climat lorsque l'on parcourt le rapport modification du climat, les programmes, les problèmes, la politique et les potentiels. Les informations contenues dans ce rapport font peur. Des tests non scientifiques, mais bien existants. Des sommes extraordinaires allouées par des sponsors privés et publics. Voilà bien des méthodes clandestines, puisque cachées du public,
Pourquoi aucune information envers les citoyens ou même la presse? Nous restons dans l'attente de l'émergence d'un débat citoyen sur les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble. Le GIEC, hein, IPCC en anglais, a déposé sur le bureau de la COP21 des scénarios sur lesquels on puisse appuyer l'action politique. Ils en ont déposé 116 exactement. Alors évidemment, on n'a pas trop informé le public de la réalité de ces scénarios. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le réchauffement en soi, il serait bénéfique. Il a toujours été bénéfique. C'est l'Holocène, c'est ce qu'on appelle le paradis. Le réchauffement, c'est le paradis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de paradis, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est l'accélération de la vitesse d'émission. Si l'émission du CO2 n'est pas principalement responsable du réchauffement climatique, d'ailleurs, nos plantes et nous-mêmes en avons besoin, alors pourquoi devrions-nous accepter le lobbying industriel de la géo-ingénierie déjà présent sur le bureau de la COP21 fin 2015? On nous dit, vous n'aurez pas pris les mesures avant 2018, donc vous êtes condamné à 3,5 ou je ne sais quoi à horizon 2100. C'est totalement faux. Et donc du coup, les populations vont accepter n'importe quoi. On va leur dire, il faut faire des satellites géants pour envoyer de l'albédo, il faut faire des épandages dans l'atmosphère, il faut dissoudre les roches, il faut déverser des H2O dans les océans, il faut faire des biocarburants, parce qu'on va tout mixer, vous voyez, donc ça va être une industrie colossale. On comprend très bien les intérêts financiers qui sont en jeu, et puis tout ça, ça va se substituer progressivement à l'industrie du pétrole. Et on va dire, ceux qui n'acceptent pas, ils sont contre la nature, ce qui est un mensonge absolu. Tous ces écologistes dont je suis, dont j'ai été, qui sont sincères, peuvent-ils se laisser berner à ce point et entreprendre des actions et tenir des discours qui ne fait que servir la soupe aux puissants? Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'argent qui aille suffisamment aux scientifiques. Arrêter les émissions en surnombre suffirait à ralentir considérablement les désordres. Moi, j'aimerais bien que ces questions soient sur la scène publique, voilà, mon seul combat. Et parler d'éveil des consciences, c'est ça. C'est se poser des questions même quand on n'a pas les réponses. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vérité. Chaque jour, une nouvelle découverte peut remettre en question ce que la veille, on croyait la vérité. Mon questionnement est juste, un désir d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun. Voilà. Donc, je pense que... Est-ce qu'on m'entend ? Vous trouverez le lien donc, sur ici, là. Hein, donc, vous avez tous les liens. Donc, pour retrouver cette vidéo en entier, qui est vraiment bien gaulée, bien faite, merci à sa productrice qu'on aime beaucoup. Sur Facebook, vous l'avez vers un climat artificiel tout attaché. Vous l'avez sur le site internet, donc www.climat-artificiel.com. Je vous le laisse quelques instants, le temps que vous puissiez prendre note. Et Christophe, qu'as-tu à nous dire sur cette fin de vidéo? Alors, on n'a pas fait le tour complet, mais on a une petite idée. Vous avez vu comment se sont noués les accords de Paris, hein, donc un aréopage de crapaud à la bolchevique qui, avec, vous avez vu, qui était président hein, de cette soirée, et donc adopté. Et vous voyez donc la force de ce qu'a fait Trump, pour ceux qui doutent encore, dès qu'il est arrivé à la présidence, il est sorti des accords de Paris, qui sont des accords crapuleux. Donc, encore une fois, il a vu juste et dès le début de sa mandature, placé le boulet où il fallait. Et donc, la détestation complète là, tout est à profond parce que c'est une histoire de vraiment d'argent. Enfin, c'était la future
Si vous voulez, c'était le nouveau pétrole, en fait. C'était le nouveau pétrole. Le climat. Qui contrôle le climat contrôle le monde. Donc, ils avaient décidé de jouer avec ça, avec nous, avec notre nourriture aussi. Hein. Donc, Trump n'était pas d'accord avec ça. Voilà. Que dire ? Parce qu'il y a des questions, mais on a fait déjà une petite synthèse. Ah oui, dernière chose importante. Il est possible que les chemtrails que vous voyez actuellement soient le retour à la normale. Je m'explique. On ne pourra pas rétablir le cycle de l'eau en arrêtant les chemtrails. Si on arrête les chemtrails, c'est-à-dire un minimum d'épandage, avec d'autres produits peut-être, on a 40 degrés à Paris de juin à septembre. Ils ont tout déréglé. Hein, d'accord. Donc, Paris plage prendra tout son sens, peut-être. Ouais, mais tu vois, bon, voilà, ça poserait des problèmes et partout un peu. Donc, pour revenir à la normale, il est possible, il est même sûr qu'on aura encore des chemtrails, mais qui seront d'autres formes et qui auront vocation à aller vers une désescalade. Voilà. Donc, mais voilà, bon, il se peut que on voit encore des traînées d'avion. Hein, non. On ne peut pas arrêter, ça c'est important que les gens comprennent ça, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain les chemtrails parce que ça provoquerait peut-être même des cataclysmes géologiques. Il ferait vraiment très chaud parce qu'ils ont vraiment tout déréglé et je dirais pareil, on ne peut pas arrêter un réacteur nucléaire comme ça. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Si l'humain n'était plus là, si l'humain disparaissait là, d'un coup, la Terre serait en feu au bout de 3 jours. Parce que tous les réacteurs nucléaires seraient en fusion. Donc, vous voyez, on n'aurait pas longtemps à. Pour ceux qui restent cachés, il n'aura pas longtemps à vivre. Donc, on peut pas. L'homme, ils ont joué aux apprentis sorciers. Et je pense que l'ADN et le psyché de l'homme, de certains hommes, n'est pas absolument calibré pour jouer avec ça. Hein. Je pense qu'il y a des êtres humains qui sont habités d'une âme tout à fait particulière, une âme reptilienne, on appelle ça comme on veut, mais qui n'est pas comme la nôtre. En tout cas, à Antoine, à moi et aux gens qui regardent ces vidéos. Ils n'ont pas le même sens. Ils ont des non-âmes, en fait. Hein. Ils sont juste des espèces de véhicules vides, mais pourris, vraiment prêts à faire le plus grand mal. Voilà. Ce sont des êtres à part. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir sur... les chemtrails, donc on n'a pas fait le tour évidemment des chemtrails, et ça on le fera dans une autre émission avec d'autres invités, avec Christophe, où on va approfondir un peu les choses et j'ai des gens qui s'y connaissent vraiment très bien, donc Alain qui est un ami qui pour l'instant ne peut pas trop venir en visio, donc c'est un peu compliqué, donc dès qu'il aura la possibilité on le fera venir et on le fera intervenir pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ces chemtrails, quand ça a commencé. Voilà, on va avoir pas mal d'infos. Alors, est-ce qu'il y a des... non, ça n'était pas Claire Sévrac, même si j'aime beaucoup, vous savez, Claire Sévrac, notre regretté Claire, qui dénonçait ça depuis des décennies et qui en a payé de sa vie. Ce n'était pas Claire Sévrac qui a fait ce montage, c'est une amie qui s'appelle Jacqueline. Je ne peux pas donner le nom, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Vous le découvrirez peut-être en allant sur le site internet climat-artificiel.com. Je vous mettrai tous les liens. Alors on me dit, Antoine, je ne trouve pas les liens. Eh bien, je vais vous montrer rapidement, Christophe. Je vais juste montrer à nos amis comment trouver les liens des vidéos. Donc hier, j'ai fait une vidéo, j'ai mis les liens après le live. Et donc vous allez sur la vidéo d'hier, par exemple, vous voyez ici, ça c'est la vidéo d'hier, du 1er décembre 2020. Et donc ici, je ne peux plus mettre de lien ici en commentaire parce que je peux mettre que les mêmes. Et quand je mets des liens différents, on me les vire. Alors qu'est-ce que je fais ? Vous allez en bas dans les commentaires là et vous trouverez là, en cas de fermeture de la chaîne, cliquez sur ce lien. Donc ça c'est pour aller sur mon autre chaîne pour qu'on se retrouve. Et ensuite vous avez ici, vous cliquez sur lire la suite, tous les liens de la soirée et de ce que je vous ai montré durant le live d'hier. Voilà. Et je vais faire pareil sur le live de ce soir. Je vous mettrai tous les liens de ce soir. Les plus importants, hein, les petites vidéos pour pourrir, hein. Je ne vais pas les mettre. Mais les liens importants, vous les retrouverez en commentaire en dessous du live de ce soir, 10 minutes, un quart d'heure après que j'ai terminé le live. Voilà. Alors, en attendant, ça vous a permis de poser des questions. Alors, ça, c'est une question pertinente, Christophe. C'est de Brigitte Sixte. Nous avons en France de grands scientifiques. Pourquoi aucun
s'en est alerté. Parce que c'est le même traitement que les complotistes, ou même les anti-vaccins. C'est-à-dire que tu repères le plan d'État profond à la manière dont ils massacrent tout avis contraire. Il y a un ancien ministre, Allègre, qui avait osé être climato-sceptique, et Raoult est climato-sceptique hein, aussi. Mais on ne peut pas en parler. C'est un fou. Vous avez vu, ils disent comme pour les vaccin comme pour le Covid, soit vous êtes, vous croyez au narratif et vous êtes des bons citoyens, soit vous ne croyez pas et vous en voulez la terre entière. C'est un changement de paradigme, puisque en fait c'est le contraire. Vous le savez bien. Donc le gars qui ose, il est mort, il n'a plus de travail, il n'a plus de subvention, il est ridiculisé, il est harcelé l'administration, c'est un enfer. Alors, il sait le système. Maintenant, ça peut sortir, je pense, après tout ça. Mais enfin, ça va sortir. Mais il sait très bien que le système va complètement le broyer. Alors, il va me dire, il manque de... Oui, d'accord, mais il y en a qui l'ont fait. Mais ils ne sont pas passés sur les mainstream. Voilà, il y a seul un ministre à oser, un ex-ministre, et qu'est-ce qui s'est fait voler dans les plumes ? Il faut être prêt à prendre la tempête. Hein. Donc voilà pourquoi, c'est les mêmes causes, mêmes effets. On a Se Soigner Naturellement qui nous dit « Quels sont les poisons que l'on retrouve dans les chemtrails ?» Alors, essentiellement, c'est les nanoparticules d'aluminium qui, en plus, nous empêchent de réfléchir. Vous savez, ça va sur la glande pinéale, ça va partout. Il y a du barium aussi, ça serait des atteintes sur le cœur. Enfin, bon. Mais vraiment, l'aluminium, c'est vraiment leur truc, c'est leur kiff, quoi. Ils en mettent partout. Et donc, c'est ça qui va vraiment provoquer deux effets. Ils vont pouvoir agir sur le climat, agir sur les cultures, même trois effets, et agir sur notre capacité cognitive. On le voit bien avec les moutons, hein, on n'arrive pas. Hein. Et on a un quatrième effet qui se coule, c'est l'effet, y a moins de lumière. Donc moins de lumière, moins de vitamine D, vous allez moins pouvoir sécréter de la vitamine D qui est donc... Qui va se sécréter par l'action des ultraviolets. Donc, la totale pour eux, hein, donc tout le monde souvent solitique, voilà, il y a 85% des gens qui sont carencés en vitamine D. Hein. Donc, ils font des packages, en fait. Hein, nous vendons de la vitamine D après en pharmacie, oui. Évidemment. Chaque docteur, maintenant, vous fait un dosage, enfin, beaucoup de docteurs font un dosage en vitamine D. Et ils disent, vous êtes carencé. C'est la grande mode. Avant, il y avait le fluor, avant... Ils ont des modes. Quand c'est à l'ordre du jour partout, c'est chelou. Voilà. Quand tous les médecins en parlent, c'est louche. Tout ce qui est généralisé est louche maintenant. C'est qui peut rien. J'aime bien quand c'est chelou quand même. Ouais, c'est chelou. Voilà. Nos paniques, tout ça va s'arrêter. Hein. Moi, je vois plein de signes. Voilà, si Trump est élu, c'est fini tout ça. On va. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Trump, Trump va être élu. Un mot. Ah. Oui, on pas dit tellement Trump sera élu. Oui, voilà. Tu as raison. Attends, parce que là, ça ne va pas. Il y a un brin de scepticisme là, dans cette phrase. Oui. Et ça, non. Non, tu sais très bien qu'on a gagné, mon frère, tu le sais. Mais non, il a gagné, j'en suis persuadé. Et tous les jours, je vais vous avouer un truc, un de mes vices. Antoine, on en connaît un, c'est la cigarette, on ne peut pas le cacher. Moi, quand j'ai plein de bonnes nouvelles, eh bien, je touche à la perversion, je mange du Nutella avec mes doigts en écoutant des chansons de Disney. Ah, oui, ça va loin. Bon, ben, faut t'avouer, moitié pardonné. Voilà ma perversion. Je mange une cochonnerie. C'est comme ça. Bon, alors, chacun fait comme bon, Nutella, tu sais. Hein. Ben, oui, mais bon, je te dis que c'était une perversion. J'y peux rien. En écoutant du Disney, en plus. Donc, On a Françoise qui demande pourquoi ce sujet semble dangereux à aborder. Eh bien, il est possible qu'en disant le peu qu'on a dit, on soit censuré. Parce que c'est dans la nouvelle trinité mondiale, le climat. C'est vraiment le truc. Ça fait partie des sujets prioritaires. C'est leur nouvel Eldorado, c'est leur nouveau fourre-tout. Donc, il ne faut même pas en parler. Quoi.
C'est comme ça. C'est le nouveau truc pour driver les gens. Et puis ils sortent Greta Thunberg, qui est une fille d'ultra riche, quoi. Tout ce cinéma, quoi. Enfin, et puis ils vont peut-être lui donner une Nobel, et puis d'autres. Dès qu'il y a un truc pourri, quasiment, on reçoit la Légion d'honneur en France. Hein. Légion d'honneur, qu'il faut le savoir, exonère d'impôts à vie. Hein. Vous comprenez pourquoi ils la veulent tous. Hein. Donc, il exonère d'impôts à vie. Ça, on ne vous le dit pas. Mais la Légion d'honneur n'a plus rien d'honneur, à part bon, quelques sportifs ou quoi. Mais globalement, c'est qu'ils ont servi l'État, hein, de la manière. On sait maintenant qu'elle est. On donne l'honneur à n'importe qui, de toute façon. Ouais, mais les mecs, ils prennent parce que exonérés d'impôts à vie. Ah oui. Et dit. Oui. Voilà. On a Marcus qui nous demande si c'est si mauvais pour nous, alors c'est aussi si mauvais pour eux. Et comment alors, ils font pour prévenir, eux, de tout ça? Alors, déjà, à mon avis, ils ont des technologies médicales que nous n'avons pas. Mmh. D'accord? Pour purger tout ça. Parce qu'ils sont. Alors, je les crois assez dingues pour avoir un petit risque personnel sur ces affaires-là. Mais devant l'appât de ce qu'est le pouvoir, le contrôle total, ils sont prêts à prendre ce petit risque. Mais les 2000, il y a environ 2000 milliardaires qui mènent le monde. Hein. 2000, ils sont 2000. 2000 détiennent le PIB des États-Unis, autant dire, c'est énorme. Ceux-là, vous verrez leur maison où ils habitent, ils ont plein de maisons, plein de trucs. C'est toujours isolé, d'accord? Donc, ils s'arrangent pour être le plus loin possible des choses qu'ils épandent, etc., etc. Voilà. Mais ils sont prêts, en effet, ils n'ont pas des armes normales, à prendre un petit risque même. Mais je ne doute pas que de manière prophylactique, ils sont traités de certaines choses, ou ils bénéficient de certaines techniques qui nous sont, nous, cachées. On peut le dire, les MedBed, par exemple. Non, ouais, les MedBed... moi, les MedBed, j'y crois parce que je ferai peut-être un sujet là-dessus. Je citerai quelques merveilles dans le monde animal, que la nature peut. Il y a des animaux qui ont des capacités incroyables et on les retrouve dans les MedBed, en fait. Hein. Donc, la nature, moi, je pars toujours de choses qui existent, en fait. Hein. Dans la nature, il y a des animaux, il y a des insectes qui ont des capacités qu'on retrouve dans les MedBed. Donc, si la nature peut le faire, ouais, il y a rien de surréaliste. Que elle repousse. Donc, ouais, les salamandres, il y a d'autres, il y a le rat de l'arbre qui s'il était humain, vivrait plus de 400 ans. Enfin, il y a plein de choses, ça, il faut faire un sujet là-dessus, je pense, c'est intéressant. Et ça peut ramener au MedBed. Ça peut ramener au MedBed. Donc, le prochain sujet, c'est ça, alors, Christophe. Tu veux développer autre chose? Dis-moi, moi, je suis quantique, je suis machin. Ouais, bah, non, mais je vais vulgariser ça. Bien sûr, c'est marrant, les animaux. Ouais. Ouais, ah ouais, c'est super. Et comme ça, on arrive au MedBed. On va voir que tout ça, c'est pas, ça existe dans la nature. Et là, on peut se dire, il y a bon banane. Alors, on a Lizzie qui dit que y aurait-il des zones plus ciblées que d'autres sur les countries? Les villes. Ils veulent tous nous mettre dans les villes. Hein. Vous savez, c'est ça le truc. Une population de villes est manipulable. Beaucoup plus. Ouais. Elle est beaucoup plus... Parce que là, il y a plein d'annonces de gens qui veulent quitter Paris pour avoir des petites maisons à la campagne. Enfin, il y a vraiment un exode. Il y en a qu'on dit SOS parce qu'il y a un côté mouton dans les villes. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent regrouper les gens dans les villes. C'est pour ça qu'il y a cet exemple d'une expérience là, qui est faite en Arabie Saoudite sur la nouvelle ville, tu sais, je ne sais plus quoi. Enfin, un truc complètement déshumanisé. Ils ne veulent plus de gens dans les campagnes. Ils ne veulent plus de gens autonomes. Et ils ne veulent plus qu'on récupère l'eau des pluies, hein, même si elle n'est pas exempte tout reproche, mais il y a des moyens d'infiltrer. Hein. Donc voilà, c'est hallucinant, mais ils ciblent les villes. Ouais. Quel type d'appareil déverse ce genre de merde? Les drones, ils n'ont plus besoin de pilotes maintenant. Avant, on envoyait un pilote, on lui disait « fais ça, c'est pour le bien de la planète ». Ils faisaient croire que c'était du calcium, des particules de calcium pour faire un voile entre le soleil et la Terre. Et ce voile naturel, calcium, nacré, on va dire, était censé donc diminuer la réverbération. Bah, si t'es pilote, on te dit ça, t'es pas chimiste. Hein, donc, les premiers ont été faits par des hommes qui étaient certainement leurrés par rapport à ce qu'ils faisaient. Et puis, maintenant, ils ont des drones. Ils s'embêtent plus, d'ailleurs. Oui. Ils sont hauts, très très hauts. Hein, très très hauts. C'est ça. Alors, je regarde un peu...
Vous discutez beaucoup entre vous, c'est bien, c'est parfait, mais bon, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, on me dit l'aluminium, alors je le recherche parce que ça va tellement vite. Là, on a Yael qui nous dit l'aluminium attaque les cellules du cerveau. C'est vrai ça? Oui, alors, nanoparticules d'aluminium, c'est à 1 milliardième de millimètre. Le millimètre, on arrive à peine à voir ce que c'est, vous voyez sur une règle. Un milliardième. Oui, oui. Donc ça rentre partout, ça rentre partout, ça rentre même à travers leurs masques chirurgicaux, ça rentre de partout et ça reste, puisque c'est un métaux, c'est des métaux lourds. Donc qui dit lourd, nous, nos organes, ils ne sont que du tissu, donc ça reste. Hein. Et donc ça va dans les terminaisons, ça va dans les terminaisons nerveuses. Donc vous voyez tous ces gens hébétés, des fois, je leur en veux, mais peut-être c'est pas de leur faute. Ils ont été sévèrement atteints, ils sont sévèrement atteints par... ce qui se passe là, et on a rendu leur cerveau compatible avec un type d'intelligence qui est le type d'intelligence tableau Excel. Voilà, ça, ça marche. En fait, ils ont managé notre intelligence quelque part. Ils ont mis notre intelligence où ils la voulaient. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment en route. Il est temps que ça s'arrête, quoi. Il est temps que ça s'arrête. On a Alain Roman, mon ami spécialiste que j'aime beaucoup, qui nous met exact. Voilà, donc pour l'instant, on est bon. Grand maître. Si Alain le dit, je crois. Alors, et moi, j'ai ma chanson aussi. Alors, si Roman le dit. Ouais, c'est bien ça. Alors, tu dis que je fais une recherche. Une chanson pour la victoire. Je cherche une chanson pour la victoire, mais une vraie chanson qui pète, un truc qui dégomme. Ouais. Donc, si vous avez des idées pour une chanson pour le jour de la victoire, c'est-à-dire le 14 ou le 18, je suis preneur. Envoyez-moi ça sur Messenger, s'il vous plaît, ou dans les commentaires. Et j'irai jeter un œil pour choisir une chanson, une musique qui défonce tout. Pas un truc, une valse de Vienne, hein, les amis. Non, un truc qui défonce. Voilà. Bon, on avait We Are the Champion de Queen, qui est intéressante, mais il y en a plein d'autres, je le sais, et donc je compte sur vous pour nous aider. J'ai encore une dernière question de Jaja. Tiens, Jaja, qui est un de nos trois informaticiens qui nous aide énormément sur le site internet, sur plein de choses. Donc merci à toi, Jaja, d'être là. Donc il y a Jaja, Julien et Sébastien. Et Jaja qui dit donc faire son propre jardin, ça ne sert à rien en fait. Il n'y a rien de mieux en vrai. Eh bien, il y a maintenant des sociétés qui sont spécialisées. Et là, celui qui cherche un job, je pense qu'il y a de l'avenir dans la dépollution des terres. D'accord ? Il faut se mettre sous serre. Non, il faut se mettre sous serre. Ah, ça, c'est évident. Si c'est des nanoparticules, si c'est tellement fin, même serre. Non, mais je suis d'accord. Mais ça aura quand même beaucoup, beaucoup moins d'impact que sur des cultures à l'air libre, hein. Donc beaucoup moins. Ça va quand même limiter la casse. Mais on parle de tout ça, mais finalement tout ça va s'arrêter. Donc, mais globalement, oui, c'est ça. Mais Bill Gates a son potager, donc c'est assez rassurant. Hein. Il a son potager. Ouais. Vous allez sur Google Earth, sa maison. Donc c'est que loin des zones d'épandage. Voilà. Moi, j'aimerais bien que tous les gens aient des jardins partagés à 50 km de Paris comme ça se faisait avant, voilà, ce serait génial, ça. Je pense que ce serait une mesure dans le nouveau monde à adopter. Tout le monde doit avoir ses 100 mètres carrés de jardin, quoi, même si c'est à 50 bornes. Il y a des sociétés spécialisées maintenant, hein. Faites vos recherches.